Aujourd'hui, je vais me rendre au cinéma à 3h du matin pour vivre une aventure effrayante avec les Rainbow Friends du jeu Roblox. Grâce à mon cinéma magique, je pourrai rentrer dans le film et interagir avec les personnages. Mais les choses ne se passeront sûrement pas comme je l'avais prévu. Mon but sera alors d'affronter les Rainbow Friends afin de protéger ma maison et de les faire fuir le plus vite possible. Hey, oublie pas de t'abonner, merci. Les amis, du coup, aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour une petite séance cinématographique à 3h du matin. C'est pas une simple séance, tout simplement parce que c'est les Rainbow Friends. Les Rainbow Friends qui sont des monstres de Roblox de base, du coup, un jeu vidéo. Là, on va les voir en film, c'est vraiment incroyable. Et je vous rappelle que mon cinéma, à moi, est magique et qu'on peut traverser l'écran en appuyant sur un interrupteur. Les amis, avant que cette vidéo ne commence réellement, je vous invite à rester jusqu'au bout. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui quittent environ 5-6 minutes de la vidéo et c'est pas ce qu'il faut faire, vraiment pas. Bon, je sais, je fais ma petite pub, mais je vous dis que à la fin de mes vidéos, il y a des choses incroyables qu'il ne faut vraiment pas manquer, que beaucoup d'entre vous manquent. Et vraiment, là, aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, je vous invite à rester vraiment à la fin de la vidéo. Que vous me dites ce que vous en pensez en commentaire juste après. Bref, pour cette vidéo, regardez, on est accompagné de Draco l'étoile. Comment tu vas, Draco? Ça fait plutôt longtemps? Oui, ça va et toi? Bah ça va plutôt bien, Draco, ça fait très longtemps, t'as pas vu et c'est vraiment cool. Donc aujourd'hui, on va pas attendre à parler tout le temps, suis-moi, on va directement aller au cinéma. Hop, je te laisse me suivre, viens dans l'ascenseur avec moi. Allez, voilà, ferme la petite porte. Voilà, c'est parfait. Et hop, on descend la team. On descend tranquillement et bienvenue dans le palace, le cinéma, voilà, avec plusieurs affiches telles que Sonic 2, oh, quel beau gosse. Spider-Man No Way Home, nous avons Alerte Rouge, nous avons, bon, je vais pas tout vous faire, ça va être super long. Nous avons un petit frigo, ça c'est la partie intéressante de la vidéo, pourquoi? Parce que dedans, il y a du coca, voilà, c'était pas si intéressant que ça en fait. Donc tiens, Draco, prends du coca, ça devrait peut-être nous servir pour la vidéo, je sais pas, de toute façon on est en séance cinéma, donc il faut profiter à fond. Les amis, si parmi les affiches que vous voyez, vous en voyez que vous avez déjà vu comme film, dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir ce que vous avez déjà vu. Bref, vas-y, tu me suis, Draco? Oui, ouais, c'est bon, vas-y, suis-moi, hop, on passe par là, et j'espère que tu es prêt. Je vous dis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que dans chacune des vidéos cinéma, il se passe des trucs de dingue quand on traverse l'écran. Donc là, tiens, regardez, c'est juste par ces interrupteurs-là, en fait, il y en a un autre en bas aussi qui est juste là, voilà. C'est grâce à ça qu'on pourra traverser l'écran. Donc moi je vais descendre par l'ascenseur, je vais pas faire comme Draco, je vais y aller tranquillement parce que j'ai pas envie de me faire mal. Donc vas-y, on descend, voilà, bim, c'est parti. Donc Draco, prends une place, n'importe laquelle, ben voilà, t'as choisi celle-là, c'est parfait. On se met là, ben tu te mets là du coup? Tu vas loin de moi? Ok, ben pas de soucis, je reste tout seul. Donc les amis, on va attendre que le film commence, je suis vraiment impatient, normalement il devrait pas tarder, on attend que l'écran s'allume en fait, ça devrait le faire normalement, d'ici quelques secondes. Oh! Ok, c'est bon, l'écran s'allume, la team, regardez, il y a un truc qui va pas là, attendez. Attendez, mais what the fuck, regardez-moi ça les amis, il y a personne, il n'y a pas de personnage. Bon, bien évidemment, vous voyez, je peux pas traverser l'écran, impossible, mais what? Pourquoi y'a personne? Attends, c'est pas normal ça. On va activer directement l'écran, comme ça on peut passer à travers et on va voir tout ça, c'est pas normal. 3, 2, 1, ok! Regardez, mon coca a disparu, ça m'a directement remis mes pouvoirs. D'accord, très bizarre, très bizarre. Bon, bah Draco, suis-moi, j'espère que t'es prêt, on va pouvoir traverser l'écran. Ok, c'est bon. What the fuck les amis, pourquoi y'a un mec qui est emprisonné? Il est en train de hocher de la tête. Mais what? C'est pas très normal. Bon, après, le décor, ça va. Il a l'air plutôt joyeux. Il avait l'air plutôt joyeux. Jusqu'au moment où je vois du sang. Ça, c'est pas très normal. Alors, examinons un petit peu. Déjà, il n'y a aucun personnage, mis à part un mec enfermé. Des jeux, des ballons. Ça a l'air d'être une petite salle de spectacle, on va dire. Et juste ici, on a un corps. D'accord, ok, bien évidemment. Dans la dernière vidéo, on a vu que dans la transformation pour Blue Rainbow Friend, le code c'était 1, 2, 3, 4. C'est ça, bam, du premier coup, let's go. Ok, je le prends le wagonnet. Draco, tu m'attends là, tu veilles sur le monsieur qui est emprisonné, ça te va? Ok, parfait. Je vais prendre du coup le petit wagon, c'est parti la team. On va voir ce qui se passe du coup ici. Il y a encore du sang. What? Ok, il y a le Rainbow Friend violet. Il y a Blue juste là, la team. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, il y a Green. Ok, il était juste là. Attendez. Je descends. Reviens le wagon. Et voilà. Ok. Bon, j'ai vu les Rainbow Friends. C'était très bizarre. Je pense que je vais refaire un tour. Je vais juste refaire un tour pour être bien sûr de ce que j'ai vu.
On va check. Ouais, ça me fait des frissons. Horrible. Bon, bref, vas-y, j'y retourne. Allez, je pose le wagon, la team, et on repart pour un petit tour. C'est parti, let's go. Allez, let's go. Qu'est-ce que... What? Il a disparu. Pourquoi il est plus là, le violet? What? Il n'y a plus le bleu. La team, ils ont disparu. Ils sont plus là. What the fuck? Attends. Pardon? T'as vu quelque chose, Drac? Quoi? Non, les amis. Je suis enfermé dans le film. Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, ça. T'as pas vu quelque chose, Draco, par hasard? Regarde comme il est drôle, ce film. Non. Attends. C'est trop drôle. Je peux pas sortir. Oh mon Dieu. Je suis bloqué dans l'écran. Ouais, moi, ce petit minable là avec son livre dans la main et l'autre là. Pardon. Cette espèce d'étoile. Mais les amis, comment ils ont fait pour sortir? On les a même pas vus. Je peux pas sortir. Oh mon Dieu. Mais non. En vrai, vert. Avoue-le quand même. Il est un peu nul, ce film. Et bien, on change de film. Non, t'as pas intérêt à faire ça. C'est mort. C'est prêt. Non. Allez, c'est parti, voilà, on va changer de film. Tu fais pas ça, arrête ça. Draco, je crois qu'on a un tout petit problème. Attends, on est sûr, t'as rien vu. Ils sont pas sortis ni rien. On est d'accord? Voyons. Non, t'as rien vu? Mais c'est super bizarre, la team. Ok, ça veut dire qu'ils sont pas passés par l'écran pour sortir du film. Donc forcément, il doit y avoir une issue ailleurs. Suis-moi, viens avec moi. Il a réouvert, il a refermé. Bon, d'accord, il a l'air de s'amuser un peu avec nous. Ok, vas-y, suis-moi. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Ok, ici, il y a rien. Je vais juste faire un petit truc. Hop, voilà, je retire le wagonnet, je reprends mon pouvoir. Suis-moi. Attends, on va vérifier dans l'eau. Non, il y a rien. On est bien d'accord, là, il y a rien. Attends, mais il y a un truc que j'ai pas remarqué. Il y avait que le vert et le bleu, là, sur l'estrade. Il y avait pas le violet. Les amis, attendez. Mais s'il y a pas le violet... Ça veut dire qu'il s'est échappé? Attendez, quoi? C'est bon, j'ai trouvé comment ils sont partis. Suis-moi, Draco. On va passer par là. J'ai retrouvé une éventuelle sortie. Faut pas stresser. Bon, je stresse à mort, mais c'est pas grave. Faut dire qu'on stresse pas. Vas-y, let's go, on sort. Ils sont pas là. Ils sont partis, la team. Comment on va faire? Wouh! Ok. Ça, c'était pas totalement prévu. Non, il est là. Attends, vite, pousse-toi, Draco. Faut que j'essaye de l'affronter. Vite. Ok, bizarre la team, j'ai vraiment peur. Bon, la team, on va remonter, je pense. C'est le mieux, Draco. Faut que tu me suives à la lettre. On va remonter tranquille parce que là, c'est vrai que c'est assez badant quand même. Bon, pour l'instant, dans la maison, déjà, il y a rien qu'à changer. D'habitude, il y a plein de choses qui changent. Pour l'instant, on est plutôt clean. Donc, sur ça, je me fais pas de soucis. J'espère qu'en fait, les Rainbow Friends, vu qu'ils sont très joueurs, ils vont jouer beaucoup avec nous. Et ça, c'est plutôt badin, tu vois. J'ai pas trop envie de ça. Non. Ok, il essaye de nous bloquer, apparemment. Il essaye de nous bloquer. Vas-y, on continue. Très bien. Et là, Draco, ou comment ça se passe? Ah, t'es là, vas-y, suis-moi. Vas-y, viens. Ok, on va continuer. Oh, des cas. Oh, attends, mais j'étais en train d'examiner le truc, il m'a même pas essayé d'examiner. Regardez, les amis, de base, ça c'est rouge. Là, c'est multicolore. Ok, je retire ce que j'ai dit il y a à peine une minute, hein, vraiment. Je pense qu'ils ont en fait modifié la maison. Vas-y, on continue. Ah, par contre, ils nous bloquent tous les passages là. Ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Vas-y, Draco, suis-moi. Je l'avais pas vu. Il est là. Il dit, faut qu'il fuit. Allez, attention, Draco. Hop, vas-y. Oh non, ça détruit toute la villa. Ça, c'est pas cool, ça. Ok, vas-y, vite, faut qu'il parte. On essaye de le faire partir. Ah non. Ah, ok, ça fait mal, vite. Non, il va où? Non, mais non, on prend pas l'ascenseur, j'en ai besoin. Bon, bah tant pis. Attends, bah, on attend le prochain créneau d'ascenseur, Draco. Faut mettre une petite musique d'attente, attends. Ok, vas-y, monte. Bien, voilà, parfait. On reprend, let's go. Ok, ils sont pas là? Si, il est là, bien évidemment. Il va jouer avec nous, je le connais. Par contre, ça marche pas avec moi, ça. C'est mort. Ok, c'est bon, il part. Regarde ta maison, Deka. Qu'est-ce que t'as fait à ma maison? Qu'est-ce que t'as fait à ma maison? Regarde les murs, ils ont totalement changé. Ils sont devenus multicolores, c'est dégueu. On dirait la couleur de la peau d'Awaris. Maison est notre, Deka. Aïe. Non, la maison, elle est pas à toi, c'est mort. Elle est à moi, elle m'appartient. Ok, vite. Draco, faut qu'on s'échappe. Vite, suis-moi. What the fuck, les amis, regardez. Il y a du poison par terre. Fais gaffe à pas tomber dans le poison, Draco. Ok, vite, faut qu'on parte. Par contre, ils me suivent, mais pas lui. Bon, c'est pas grave, je pars tout seul. Ah, non, lui, il veut pas me lâcher avec son pouvoir.
C'est très très relou. Ah, il va me faire tomber, il va me faire tomber encore plus. Ok. C'est bon, on y va dans la discrétion, on y va dans... Ouais, c'est mort la discrétion, vite, on y va au plus vite, on y va au plus vite. Et on attend que Draco me rejoigne à l'extérieur de la maison. Ok, je m'envole. Attention. Ouais, non, la maison toi. Est nôtre. Oh. Non, elle est pas à toi, je vais juste faire des courses, voilà, je vais faire des courses. Ah, vite, vite, vite. Ok, c'est bon les amis. Vite, vite, faut que je m'échappe, faut que je m'échappe. On est fier des cas. Je vais là-bas, on va se cacher, la team, on va se mettre dans les arbres, regardez. Ok, là, normalement, ils me verront pas. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est que là, les Rainbow Friends sont beaucoup trop dangereux pour que j'essaye de les renfermer dans le film. Parce que si je fais ça, c'est sûrement moi qui va rester bloqué. Donc c'est pas ce que je veux spécialement. Ce qu'on va faire, la team, c'est qu'on va devoir les éliminer. On va pas avoir le choix, on va devoir entamer un combat. Mais ils ont l'air beaucoup, beaucoup trop puissants. Ce que je vais faire, un truc qu'on n'a pas fait depuis extrêmement longtemps, on va se rendre à l'arbre sacré. Les amis, si vous vous souvenez bien, à l'arbre sacré, normalement, il y a mon phénix Lestia qui doit m'y attendre. Donc on va le rejoindre et on va lui demander de l'aide pour éliminer les Rainbow Friends et rendre la maison tout à fait normale. J'espère qu'il va réussir parce que sinon, j'aurai un petit peu le seum. Bref, il faut que je retrouve Draco sur le chemin. Je vais lui dire de fuir très très loin, de partir. Hop, attendez, hop, je passe là, je passe là. T'es où, Draco? Ben, c'est le vert qui t'attaque, parce que le bleu, il a l'air de dormir un petit peu, apparemment. Ah, t'es dans le poison. Mais t'es où? T'es dans quelle zone? Eh, vert! Après le petit deck. Il a pris mon ordi. Ah non, mais comment je vais faire mon montage? Vite, pousse-toi, vert, pousse-toi. Il est où, Draco? Draco, t'es là, Draco. Vite, je vais prendre son ordi. Oh là, mais qu'est-ce qu'il a fait à ta jambe, Draco? Regarde-moi cette jambe. T'as un petit peu enflé, hein. Bon, vas-y, c'est pas grave. Draco, je vais te demander de sortir de la maison et de partir très très loin. Ce que tu fais, tu vas dans la Villa Drazen. Tu vas en sécurité, d'accord? Je te rejoindrai plus tard. Là, je dois faire des affaires tout seul. Vas-y, vas-y, vite. Qu'est-ce qu'il veut, l'autre? Vas-y, pars. Je couvre tes arrières. Il s'est volé ton PC. Il vole mon PC. Ça, c'est pas bien, ça. Oui, voleur, ce petit bolos. Wow, d'accord, il m'insulte. Vite, Draco. Non, tombe pas dans le poison. Prends l'escalier, suis-moi. Hop, vite, mets des murs verts parce que t'es vert. Vite. Suis-moi, Draco. Suis-moi. Oh, mais l'autre, il veut pas me lâcher. Lâche-moi. Non, c'est mort. C'est bon, il m'a lâché. Vite. Draco, sors de là. C'est trop le bordel, là. Il faut vite qu'on se taille. Vite. Waouh. Les amis, je peux pas bouger. Il m'en empêche beaucoup trop. Allez, Draco, plus vite que ça, plus vite. Allez, Draco, vite. Sors. Attends. Prends tes ailes et va chez Razen. Vite. Envole-toi. Ouais, c'est pareil. Regarde, on les a fait fuir. Ok, ils ont cru qu'ils ont réussi à me faire fuir, mais moi je vais trouver une autre entrée, les amis, pour pouvoir rejoindre mon Phénix Lestia. Donc c'est parti, et normalement à l'arbre sacré ils pourront pas me suivre, les monstres, parce qu'ils savent pas où il est beaucoup trop bien caché. Attendez, on va passer par là, hop, let's go. Ok, c'était un gros échec de ma part. Vas-y, on trace, c'est bon. Ok, donc là les amis, regardez, c'est condamné, je vais devoir y aller dans la plus grande des discrétions. Ok, c'est bon, j'ai vu quelqu'un là-bas. Hop, on passe tranquillement. Vas-y, je saute. Non, okay, je l'avais pas vu. Vite, je continue en restant discret. Non, il me suit. Vite, faut que je taille. Il faut pas qu'il voit là où j'aille. Ah, il est horrible avec ses pouvoirs, il veut pas arrêter. Ah, il m'a fait tomber dans le poison. Ça brûle, les amis. Ok, faut que je le bloque. Il m'a pas suivi. Vite, je me taille. Faut pas qu'il sache là où je vais. Hop, let's go. Ok, normalement, là, il va pas me suivre. Il est où? Là, ça devrait être clean. Ok, regardez, on peut voir ici. On le voit là-bas. Mais lui, il nous voit pas. Donc ça, c'est cool. Attendez. Non, c'est bon. Il nous voit pas. Je descends, les amis. Je vais rejoindre le Phénix Lestia. Et on va voir s'il peut m'aider à réparer tout ça. Parce que là, c'est vrai que c'est vraiment une énorme galère. Et j'ai pas envie de rester comme ça toute ma vie non plus. Vas-y, on descend. Regardez, on voit bien que cette partie de la maison n'a pas été touchée parce qu'elle est, c'est l'endroit le plus magique de la maison, tout simplement. Donc vas-y, c'est bon. On arrive à l'arbre sacré. Ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, cet arbre. Ok, on va appeler le Phénix Lestia. Lestia. Oh, oui. C'est bon, les amis. C'est bon, Lestia est de retour. Ça y est, tu fais ton apparition. Ça fait plutôt longtemps, Lestia. Oui, j'arrive, Deka. Voilà. Je suis là. Et oui. Que se passe-t-il aujourd'hui, Deka? Viens, Lestia, on doit parler tous les deux. Ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. C'est cool. Bon, ça va, les affaires se portent bien. Tu gardes bien l'arbre. Tout se passe bien. Tout se passe très bien, Deka. Récemment, j'ai eu... Oui. Je sais plus.
Je dois avoir un problème. Ouais, la mémoire, elle reste pas trop chez les phénix, apparemment. C'est vrai que ça fait 1000 ans, quand même. Ouais, ça fait 5 milliards d'années que t'es vivant, je crois que t'en peux plus. Bref, du coup, Lestia, j'ai besoin de toi. Tu dois me rendre un service immense. Je t'écoute, mon petit Deka. Je sais pas si tu l'as vu avec tes yeux. Dans la maison, il se passe un truc actuellement. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, j'en ai entendu parler, les Rainbow machin bidule là. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que Lestia, ils sont un tout petit peu trop forts pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait moyen qu'avec tes pouvoirs, tu fasses un petit truc pour remettre la maison en ordre et tout ça? Tu vois, tu m'as compris. Oui, c'est possible, Deka. Comme à chaque fois qu'elle explose. Oui, c'est toujours ton travail, de toute façon. Je te propose Je vais regarder. On va pas se faire cramer. Redescends, viens avec moi. On va utiliser tes pouvoirs. Oui, j'étais en train de te regarder. Mais regarde. Mais on va pas remonter par là, c'est beaucoup trop dangereux, ils vont nous cramer. On va se téléporter. T'arrives encore à te téléporter? Oui, ça devrait le faire. Allez, ben viens à côté de moi, on se téléporte à l'entrée de la maison. Et on va essayer d'arranger tout ça. Tu m'arranges les murs et on fait fuir les Rainbow Friends, ok? C'est parti. Ok. 3, 2, 1. Ok! Wow! Attention, faut pas que t'aies le vertige. Ok, c'est bon, on vole la team par-dessus la maison qui est totalement reconstruite, c'est parfait. Eh ben, Lestia, je crois que ça va être à ton tour de te battre contre les Rainbow Friends qui sont à la porte, d'ailleurs. Oh, je m'en doutais. Allez, fais-les-moi fuir, on va être à deux aujourd'hui. Allez, c'est Lestia parti. Et Deka contre les Rainbow Friends. C'est parti, let's go, allez! Allez, venez là, vous deux. Bon, on va redétruire un peu, mais c'est pas très grave. Regarde. Allez, viens, voilà, ils ont peur. Regarde comme ils fuient. Pendant qu'ils parlent plus. Pourquoi tu parles plus? T'as trop peur, c'est ça? N'arrête pas. Ils ont beaucoup trop peur, ça, c'est bien, ça. Allez, oh, tu vas où, toi, mon pote? Tu restes là? Oh, non. Sinon, c'est châtiment céleste pour toi. Prends ça, voilà, bim. Allez, fuis, ces petits. Ils devraient pas mal fuir. Allez, on les fait fuir encore plus. C'est parti. Vas-y, on les fait sortir du tunnel et normalement, ce sera bon. Oula, je vois plus rien. Allez, encore un peu. On commence à fuir. Voilà, partez d'ici. C'est pas chez vous ici. C'est chez moi et personne ne me vole ma maison. Allez, Lestia, tu t'emportes là. Oui, allez. Pardon, c'est les émotions. Lui, il essaye encore de résister, mais ça marche pas trop, mon coco. Allez, pars d'ici. Voilà, c'est ça, fuyez. Allez, encore un petit peu. Oh mon et dieu. Et ça devrait faire l'affaire. Allez, voilà, mais c'est bon, bah, au final, Lestia, c'était pas si dur, mais qu'est-ce Attends. Qu'il fait? Bah, Lestia, tu te fais emporter. Oh, bah. C'est bon, non, moi il est parti. Oui, là ça devrait être bon. Allez, par-delà, Green, c'est fini pour vous. Maintenant, la ville à Lestia ne reste que à la famille Lestia et à personne d'autre. Et les amis, c'est bon, nous avons réussi à défendre la ville à Lestia. Bon, on a réussi à moitié vu le feu qu'il y a derrière moi, mais ok, ça devrait être plutôt clean. Lestia... Avec la pluie, ça devrait partir. Oui, ben Lestia, je t'invite à me rejoindre. Nous retournons tous les deux à l'arbre sacré, je pense. Tu peux venir avec moi, viens. Voilà, donc merci à toi, Lestia, de m'avoir aidé sur ce coup. C'est vraiment sympa. Oh, ça fait longtemps, tu sais. Oui, ben je vois ça. Bref, les amis, du coup, en parlant de Lestia, si jamais vous voulez... rejoindre la team Lestia, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, et je vous rejoindrai du coup notre team. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Du coup, Lestia, rejoins-moi à travers ce passage enchanté. Et sur ce, les amis, c'est comme ça qu'on va vous quitter. La maison est entièrement rétablie, les Rainbow Friends sont partis, et nous, on va vivre notre petite vie tranquillement par la suite. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à vous si vous êtes restés jusqu'à maintenant, comme promis dans le début de la vidéo. Un grand merci à tous les acteurs qui étaient présents. Il y avait Atmic, Antioned, ainsi que Nekiama. Toutes leurs chaînes sont en description, donc n'hésitez pas à aller checker. Les amis, sur ce, c'était Deka et Lestia. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais faire ma sieste, bisous. Je vais faire ta sieste. Sur ce, portez-vous bien. Bisous à tous. We'll be right back.